serait de me retrouver la terrasse d'un restaurant sans rien avoir à dire. De me sentir gêné en attendant cette commande qui ne vient pas. Et de faire comme si de rien n'était. De sourire bêtement en m'allumant une troisième Marlboro Medium. D'être assis en face de toi et d'avoir l'impression de te voir comme une étrangère. Parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé seul, en tête à tête, sans la télé en fond, sans les gosses, sans avoir à gérer l'intendance de cette foutue maison. Parce que ça fait longtemps qu'on n'a plus fait la fête ensemble, au point de ne plus savoir à quoi remonte la dernière fois. Et quand enfin arrive le plat, un peu d'action, je ne parviens à percer ce silence pesant que par des banalités du genre « ça fait du bien de manger ». Mon pire cauchemar serait de me rendre compte que tout ce qui nous lie est maintenant derrière nous, que nous ne partageons plus rien, que notre histoire relève du passé. Un passé qui forcément s'efface avec le temps, un passé qui ne tient plus vraiment la route. Et le bruit des tables d'à côté nous envahit, et autour de nous ça rigole, ça trinque, et nous sommes happés par ce qui se passe, parce qu'il n'y a pas d'ambiance à notre table, non. Soyons honnêtes pour une fois, à notre table on s'ennuie sérieusement. Et derrière nous, un jeune couple se dévore des yeux, et je parais qu'ils n'attendent qu'une chose, c'est de finir leur pas pour aller se déshabiller, et je les envie. Je suis même jaloux. À côté d'eux, le fossé qui sépare nos deux assiettes paraît énorme, et ça fait froid dans le dos. Mon pire cauchemar serait qu'une fois rentré, on se retrouve dans le même lit alors qu'on ne se désire plus. Toujours de l'affection entre nous, mais on ne se désire plus. Et si jamais nos pieds s'effleurent en nous retournant dans le noir, on trouve ça vraiment horrible. Car ça fait longtemps qu'on ne s'est plus touché, tellement longtemps que l'idée même en devient ridicule. Et on s'endort chacun de notre côté en fantasmant ailleurs, en attendant de peut-être baiser une relation de travail, un parent de l'école ou sur un site pour adultère. Enfin, quelqu'un dans la même situation, quelqu'un qui ne vibre plus, qui n'a pas son compte et qui en demande des doubles vies, des triples vies, des vies remplies de mensonges et d'hypocrisie. Et c'est le cas, paraît-il, de deux tiers des couples autour de nous. Mon pire cauchemar serait qu'on s'en fasse une raison. On se résigne aussi à mener cette vie desséchée, clopin clopin, sans nulle part où aller, regarder mourir l'amour et s'endormir dessus. C'est si facile de s'endormir.